Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Un maître demande à son disciple. Un moine garde la porte du temple et les rats veulent entrer dans le temple. À quel moment les rats peuvent-ils entrer dans le temple ? Le disciple réfléchit et dit « Quand le gardien s'endort, star ! » Le maître lui assène un grand coup dans la tête. « Non ! À quel moment les rats peuvent entrer dans le temple ? Quand le gardien va manger, bam ! Il lui renvoie encore un autre coup dans la tronche. À quel moment peut-il rentrer dans le temple ? Je ne sais pas, quand il parle à quelqu'un, bam, un autre coup. Et le maître lui dit, les rats n'entrent jamais dans le temple, car le gardien ne quitte jamais l'entrée du temple. C'était une petite histoire que j'avais lue dans une BD de Jodorowsky qui s'appelait Le Lama Blanc. Et je trouvais que c'était sympa pour introduire ce sujet sur la garde du cœur. Alors ce matin, dans le podcast de ce matin, on parlait de Sainte Thérèse et puis j'ai commencé à introduire cette idée du cœur comme temple de Dieu, de la présence de Dieu. Alors, je pense qu'on peut parler un petit peu de ça. Alors, le cœur, en effet, est le temple de Dieu. Et quand on a rencontré cette lumière, cette présence vibrante à l'intérieur du cœur, quand on l'a fait grandir, quand on a commencé à une relation avec elle, et commence à vivre un petit peu dans sa présence, on a besoin d'entretenir ce feu. Parce qu'en effet, même si cette lumière est celle qui a créé le monde, dans le monde, elle est très fragile. C'est ce qu'il y a dans justement l'épître de Saint Jean. Elle est venue dans son propre héritage, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cette lumière, elle est toute fragile. Et c'est comme un petit arbre quand il pousse. Au début, on met des petits barbelés ou des petites choses pour le protéger, pour éviter que les animaux le mangent, jusqu'à ce qu'il soit grand et fort. Et là, il n'a plus besoin de tuteur et de rien. Alors, il y a un moment, ce qui existe dans toutes les traditions, c'est ce qu'on appelle la garde du cœur. Quand on sent que la présence de Dieu est là, et que ce cœur lui appartient, en fait, ce cœur, on le remet à Dieu, on dit « Seigneur, je te donne mon cœur », mais on se rend compte qu'il lui a toujours appartenu, seulement on l'avait oublié. Et à partir du moment où on lui a donné, et je vous invite à faire comme si vous l'avez déjà donné à Dieu, ça sera plus simple. Et on ne peut plus y mettre n'importe quoi. On ne veut pas perdre cette présence, on ne veut pas mettre des cendres qui pourraient éteindre ce petit feu d'amour, on ne veut pas gâcher ça, cette belle chose. Alors tant que ce petit feu n'est pas venu un gigantesque incendie qui nous a entièrement consumé, on doit le protéger. Alors comment faire ? Eh bien le cœur est un creuset. D'ailleurs creuset vient du mot crucis et le creuset c'est précisément le centre de la croix, comme le cœur. Et c'est dans ce creuset que va se passer toute la transformation alchimique de l'être. C'est le cœur va être rempli de ce dont on le nourrit, nos expériences, nos attaches et tout ce qui vient de nos sens. Ainsi, par la fenêtre, par la porte de nos sens, rentrent toutes les choses qui touchent notre cœur, et puis parfois le tache, le voile. Alors, à un moment, on commence à faire un petit peu attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on pense, toutes ces choses qu'on laisse rentrer et en fait qui sont liées à notre personnalité. On s'abandonne, on laisse Dieu siéger au centre de notre être. Alors c'est qu'on lui laisse aussi les commandes. Jésus disait, visez le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. Donc à partir du moment où on remet les rênes à Dieu, qu'il n'a jamais cessé de lâcher d'ailleurs, on n'a plus trop à s'inquiéter. Tout le reste, ce qui est les fournitures, la nourriture, l'habillement, nous est assuré. Visez le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. Puisqu'on a retrouvé notre centre, puisqu'on a mis le centre à sa place, tout le reste est bien à sa circonférence. Mais si on met le centre en circonférence, si on met Dieu à côté et plus au centre, eh bien il y a un décalage, et il y a des interférences, et des choses qui bloquent dans notre vie. Quand je dis le mot Dieu, c'est un mot. Voilà, vous pouvez évidemment l'interpréter à votre façon, mais il y a quand même quelque chose de rigolo, c'est que le mot Dieu, en lettres romaines, est l'anagramme du mot vide. Tout comme le mot monde est l'anagramme du mot démon. Il y a une petite sagesse là-dedans. Donc ce cœur doit être vide, c'est ce que les taoïstes appellent le vide médian du cœur. On doit laisser la place pour Dieu.
Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos de Théophile l'Ancien qui parle du vide médian du cœur. Je vais les mettre en lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, ce cœur doit être vide, mais justement ce vide permet la libre circulation de tous les flux, permet à Dieu de s'exprimer. Donc, il est libre aussi de nos désirs. On cesse d'avoir des désirs, de penser à nous, enfin, de plus en plus, naturellement, c'est par ce feu qui grandit que ça se fait. Et on se laisse guider de plus en plus par le cœur. C'est très très simple, en fait. À un certain moment, l'équation est simple. Si je regarde vers Dieu, je ne regarde pas vers moi. Si je regarde vers moi, je ne regarde pas vers Dieu. Et c'est ça un petit peu la vraie garde du cœur, c'est voir où est-ce que je me situe. Regarder vers Dieu, c'est regarder vers ce cœur, en confiance, laisser faire. Regarder vers soi, c'est ne plus voir que soi, être dans les projections, les désirs, et fatalement, recouvrir le cœur de petits voiles. Voilà ce que c'est la garde du cœur. Alors, on prendra un épisode pour parler un petit peu de la pratique, comment au cours de la journée ça se passe. Mais l'idée, maintenant qu'on a vu la méditation, lors d'un précédent podcast, c'est que le matin, quand on remet une petite bûche dans cette cheminée, on rallume le feu du cœur avec cette méditation et on reste dans cette présence. Et on y reste tout au cœur de la journée, dans le cœur. Les soufis pourront faire leur dhikr, on peut aussi simplement parler à son Seigneur, sentir cette présence, faire un avec cette présence du cœur. Tout ce qui pourra vous aider est bon à prendre. Évidemment, il faut que ça soit unifié dans votre cœur. Sinon, si ça vous tire de tous les côtés, si ça vous disperse, si ça vous divise, c'est que c'est pas bon. Mais là, le dhikr est utile, si à un moment vous sentez, sans que ça soit une litanie, hein, de réciter d'un mantra ou un nom divin pendant quelques minutes, pour allumer ce feu, faites-le. Si vous avez besoin de parler à votre Seigneur, faites-le. Si vous avez juste besoin de sentir cette présence du cœur, faites-le. Une micro-méditation, simplement retourner son regard vers l'intérieur quelques secondes. Tout ce qui sera bon pour réallumer ce feu du cœur. Et le but, c'est qu'il soit de plus en plus allumé toute la journée, puis la nuit, puis vous vous lèverez au matin et le feu sera déjà plus grand, il y aura besoin de moins de bûches, et jusqu'à ce que cette lumière devienne permanente. Voilà, voilà un petit peu la garde du cœur. Donc c'est une invitation à faire attention à ce qu'on met dans son cœur et à rester dans cette présence du cœur et à garder ce petit feu allumé. Je vous remercie. À bientôt.